Elle est assise face à moi. Elle place 26, moi la 33. Le train filait vers la Provence. Un vendredi après-midi, il ferait beau jusqu'à dimanche. Elle plongeait dans un roman, bec bédé ou mot passant. Moi je laissais passer le temps. Elle jolie brune, aux yeux clairs. Moi, très beaucoup célibataire. Elle, la trentaine assumée. Moi, la soixantaine bien tassée. Pas grand chose à envisager. Se sentait-elle observée? Peut-être dévisagée. Je n'en ai pas la moindre idée. S'appelait-elle Isabelle? Émilie, Louise ou Raphaël? Et je ne regardais qu'elle, car elle était tellement belle. S'appelait-elle Emmanuel? Charlotte, Lily ou Christelle? Avait-elle un petit ami, un fiancé, voire un mari? Je lui ai dit, mademoiselle, si j'avais 20 ans de moins, je vous ferais une cour effrénée, je me jetterais à vos pieds et vous prierais de m'aimer. Elle a souri en se levant, s'est assise à mes côtés et doucement m'a déclaré: si j'étais moins témorée, je vous dirais que j'attendais ce petit signe de vous qui met de rose à mes joues et qui me trouble, je l'avoue. J'aimerais tant me blottir tout au creux de votre épaule. Et mon réveil a sonné. S'appelait-elle Emmanuel? Émilie, Louise ou Christelle? Je ne saurais jamais rien d'elle. Mais mon Dieu, qu'elle était belle.